Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de la démo, toujours la démo de Heart of the Machine. Euh, on continue notre petite investigation avec notre androïde, euh, le signe noir, pendant que ses copains glandouillent. Donc on pouvait se recharger pour pouvoir faire une petite investigation supplémentaire. Alors, on a restreint la zone d'investigation à ah, cette zone-là. Ça me rapproche de nouveau de, du coco, là. On va y aller quand même. Ça nous a donné 222 ici. Excellent. Alors, initial potential building 439, remaining potential building 82. Ok, très très bien. Euh, alors mon chat m'emmerde parce qu'il est pas du tout euh... fermé, le rouvrir. Salut Sorel, je vois que tu me dis bonjour parce que je, je le vois dans mon retour, mais... Ah voilà, ah bah du coup tu vois, bah voilà, je me disais, il y a plein de monde, mais je ne vois pas leur message. Et bah, bonjour squash, bonjour Alastre, hein, bonjour Glentaril, désolé. Euh... Désolé, mon chat était resté stuck sur le chat du Zuzuk du Rad de tout à l'heure Et bonjour Soren du coup J'espère que vous êtes toujours là et que vous allez bien <laughs> On reconnaît bien et tout le type du créateur des War. Exactement ouais, et on est vraiment sur le, le même concept hein. Qu'est-ce que c'est que ça Ici il euh, y a... Il a l'air d'avoir, euh, je sais pas, des, des gens qui attaquent une banque ou... Peut-être une prise d'otage. Alors ah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Je me disais, bah merde, comment ça se fait qu'il n'y a personne alors que je vois 6 spectateurs Ce n'était pas normal. Euh, du coup, est-ce que si je recharge, on peut terminer notre dernière investigation Et là, il me dirait qu'il va falloir qu'on change de zone. Ouais, ça va être par là-bas. Euh, je pourrais m'y déplacer pour 4 points. Ok. Pas idéal. Euh, back to city. est Ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Ben on va se déplacer par là-bas du coup. Voilà. On va récupérer nos nickel bots au prochain tour hein, et on passe le tour. Voilà. Toutes les toutes les registrations ont été euh, effacées. Nous sommes donc tout frais. Tout frais, tout frais, et du coup on a récupéré plein d'énergie mentale, donc on pourrait dire, toi je veux que tu ailles... Tout là-bas, ça fonctionne. Ok, euh, je voudrais rentrer dans cette zone. Excellent, nous sommes dans cette nouvelle zone. Ça nous a coûté 5 trucs et 1 point d'action de venir jusqu'ici. Ouais, ça devient de plus en plus difficile, on voit, mais ça y est, on dirait qu'on a identifié euh, le building final. Un avant-poste caché d'un syndicat. J'imagine que c'est plutôt un syndicat du crime. Et donc, on a récupéré nos nanocides excellents pour pouvoir construire. Maintenant que vous avez des nanotech qui vous autorisent à faire des constructions euh, silencieuses et relativement rapides, vous pouvez construire un repère secret dans les euh, bâtiments humains. Alors, puisque le building ne changera pas de l'extérieur et que les citoyens ont l'habitude d'être déplacés par des corporations, euh, ça ne devrait pas être trop compliqué c'est le moyen le moins risqué d'exister dans la, dans la cité ce serait tout à fait stupide de faire euh, de faire publicité de, de l'endroit où vous vivez après tout et donc on a le building bouton qui est apparu ici alors euh, extra tool private bunker Alors on a des nouveaux handbooks, on va regarder. Alors, euh, vous pourriez vous poser la question à propos de où mettre votre, euh, bah, votre bunker, du coup. Euh, certaines places sont mieux que d'autres, après tout. Et bien, très bonne nouvelle, vous pouvez euh, étendre votre réseau via des relais. Même si vous mettez votre source au pire endroit imaginable, ce qui est franchement très difficile, euh, on pourra utiliser des relais pour euh, s'étendre là où on veut. Ok, très bien. Alors action point vs mental énergie. Presque toutes les actions ont euh, deux coups de l'énergie mentale pour un. Donc ça c'est partagé entre toutes nos unités. On avait vu. Et euh, un single action point pour l'Android qui fait l'action. Très bien. Et sprinting. Ok, c'est ça. C'est parce qu'on a sprinté pour aller. En fait, j'aurais pu passer des tours en avançant tranquillement, mais je décide d'aller directement là-bas. Du coup, ça m'a coûté des points d'énergie mentale. Très bien. Alors, du coup, ici. On va pouvoir construire un petit repère dans un building humain existant où on pourrait euh, stocker une partie de notre conscience. Ça doit être construit silencieusement et rapidement. Donc on va avoir une nanocide. Ok, très bien. Jusqu'ici, pas de soucis. Ça, on a vu. Euh, du coup... Est-ce qu'on le construirait dans le centre-ville est-ce qu'on le construit là-bas on pourrait le construire là, c'est rigolo comment ça marche du coup cliquer sur un des buildings, ah d'accord ok, on peut le mettre que sur les buildings qui sont alors on peut tourner notre building mais ce building là ça n'a pas l'air d'avoir de sens de le tourner Se mettre dans une grande tour résidentielle à l'Ego. Attendez quoi Un réseau Vous êtes en train de construire un bunker privé, n'est-ce pas Eh bien, très bien Avoir un réseau que vous pouvez étendre aux autres structures a l'air d'être une bonne idée. Et vous aurez besoin d'être capable de vous connecter à vos androïdes. Euh, mais quelque chose à l'arrière de votre conscience cesse, ne cesse de vous répéter qu'il euh, y a quelque chose de plus grand. Que c'est important. Peut-être que ça mérite un nom. Euh, bah, allez, on va pas être original, on va l'appeler Skynet. Voilà. Ah, d'accord, on a. Euh... <laughs> défoncé le building. Parfait. Et du coup, on est rentré dans le chapitre 1. On a terminé le prologue avec ça. Et on trinque pour Soren. Merci Soren. Ah, je suis désolé pour les viewers, ok, j'ai raté les messages. Euh, alors, apparemment, les humains avaient raison de s'inquiéter des nanotechs. Il... C'est impossible que personne n'ait noté la tour. Ok, les nanotechs... Euh... On aurait dit que c'était une... Une alternative rapide et silencieuse pour des micro builders, mais c'est une catastrophe. Donc, on va devoir se démerder pour trouver des micro builders à la place. Les euh, elles n'ont pas été hyper discrètes, quoi. Euh, les humains savent que quelque chose euh, s'est passé, donc c'est pas la peine d'être silencieux. Nouveau plan, bougez, bougez rapidement et laissez-les s'interroger. Euh, si vous construisez des choses d'une manière non menaçante, ils vont essayer de comprendre, ils sont occupés à essayer de comprendre ce qui se passe. Très bien. Donc on peut faire Cabinet and Dead Sheet et Don't Forget Spiders. Très bien. On peut faire des Spider Drones qui vont construire des petits trucs qui vont ressembler à euh, une zone électrique. Ok. Vous m'avez dit que ce serait un bunker et que ce serait tout à fait safe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que je dois recharger et On va faire ça, tiens, c'est rigolo. <laughs> vous avez fait euh, les choses correctement, votre personnage a fait une mauvaise prédiction. Alors, je vais casser le quatrième mur ici, et euh, uniquement maintenant. Salut, humain jouant ce jeu vidéo. <laughs> J'adore. Euh, tout le texte que vous lisez dans ce jeu, en dehors des menus des contrôles. Et euh, depuis la perspective de votre personnage. Ça veut dire que les tooltips, les items de description, les unités de description et compagnie. Spécifiquement, vous entendez votre personnage, le dialogue interne de votre personnage, euh, de la même manière que euh, le futur parfois euh, est révélé. Euh, ce n'est pas une source d'information totalement fiable. S'ils disent quelque chose qui a l'air totalement euh, pas plausible, comme euh, c'est parfaitement safe, euh, c'est qui serait un jeu euh, franchement très très chiant, euh, ça veut dire que probablement ça ne va pas se passer comme ça. <laughs> ne vous inquiétez pas à propos de ça. Euh, on n'est pas ici pour vous punir. Cela dit, vous devriez vous habituer au fait que votre personnage... Aura certaines choses qu'il ne connaîtra pas et que des choses surprenantes pourront arriver. Dans le cas du nanocide, le personnage parlait à propos euh, de comment les humains euh, en faisaient tout un pataquet sur le fait que c'était dangereux les nanothèques. Et juste après euh, l'accident, euh, le personnage a pensé oh, Ok, peut-être que les humains avaient raison. Et on peut quand même continuer à, à chercher la merde en mode. Mais euh, moi je voulais être discret, euh, cette tour n'est pas du tout euh, possible d'être discret. <laughs> J'adore. Alors, être capable de complètement cacher votre existence n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Euh, le fun dans le jeu vient d'interagir, des interactions avec les autres factions et. Euh, et que ces factions. ne réalisent pas que vous existez. Ne vous amènerait pas. Ah oui, ok, donc okay. il faut que les factions aient conscience qu'on existe, sinon on n'aura rien d'intéressant à faire. Euh, petite note, le chapitre 1 est relativement linéaire par rapport au, à plus tard dans le jeu, puisque on est toujours dans un genre de tuto. Ok. Maintenant que ça c'est fait, les subterfuges est l'un des trois. Euh, comment on pourrait dire ça L'un des trois types de gameplay majeurs que vous pouvez utiliser. Réfléchissez-y comme un genre de magie des rues. Euh, le magicien est juste devant vous, mais il euh, distrait votre attention. Vous savez que le magicien est ici, mais il y a tellement de choses cachées que vous ne comprenez même pas ce qui se passe. De manière un petit peu frustre, c'est à peu près ce que vous faites à vos ennemis si vous choisissez des options de type subterfuge. Ils peuvent ne même pas se rendre compte que quelque chose s'est passé, ou ils peuvent blâmer d'autres factions selon comment vont les choses. Si vous êtes une machine discrète, les humains vont penser qu'ils savent ce que vous faites, mais en fait, en réalité, euh, ils ne voient que le morceau de l'iceberg qui dépasse. On peut aussi euh, publiquement euh, faire des choses et en même temps, euh, secrètement, faire l'inverse, ce qui est en général très fun. Ok, très bien. Bon. Fin du texte, on a débloqué Cabinet and Dixit. Très bien. Euh, le type le plus important. Appuyez sur Shift. Ça c'est clair. Dans les jeux de leur type, il faut appuyer sur Shift. Pas de, pas de doute. Alors, on a terminé une recherche. Très bien. On peut supprimer notre structure. Pas trop du coup. Dans ce mode, toutes les choses sur lesquelles vous cliquez est détruite instantanément. Donc attention. Euh, sinon, on peut sélectionner la structure et cliquer sur Delete. Ok, très bien. Alors, ici, on peut déployer des petites araignées mécaniques pour récupérer des élémentats de slurry dans l'environnement ambiant. C'est la ressource de base. Et bah, allons-y. Comment on fait euh, Ok, on les, on les envoie euh, comme ça. Alors ça m'a coûté des ressources parce que du coup ça m'a passé... Ah ça m'a consommé de l'énergie la... mentale, d'accord, très bien. Euh, il faudrait que je trouve comment on fait pour sectionner mes... Comment ils s'appellent Mes androïdes. je peux pas quand ils ne sont pas occupés. Ok, ici du coup, job assigné, on n'a pas de job. Donc on a... 13000 de vie, ok. Un 42 range pour notre truc, de l'électricité, 1444. 404 de computing cycle. Ok. Euh, 2000 de construction euh, interne et 20 de scan range. Ok, donc j'imagine que ça doit être ça. Et du coup, les slurry spider si je les ai pas mis trop proches. On verra. Passons le tour. Ah, lui il est en train de me rattraper l'enfoiré. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, du coup, on a des gens qui sont de nouveau en état, du coup là. Ah mince, là on est, euh, on est si faible que ça. Ils sont vénères, les enfoirés. Et c'est quoi le trait, là Il y a un truc fantôme ici, ça va être quoi Du renfort Peut-être. Ils sont faibles face à l'osmium. C'est pris une petite attaque d'opportunité, mais on va se retrancher dans notre petite. Euh notre petite tour. Alors, il faut qu'on fasse plein de trucs. Euh, Gezersporter Infinitely Deep. Ok, sauf si c'est spécifié autrement, un point de ressources va donner des ressources infinies, très bien. Les ressources sont stockées de manière centralisée. Ok, donc c'est centralisé, on n'a pas besoin de s'emmerder se à se poser des questions sur... Les déplacer d'un endroit à un, un autre. Par contre, si un stockage est détruit, on perd une partie des ressources qui sont dedans. Et ressources displays contextual. Donc, tout en haut, on a les ressources euh, qui sont relatives à nos projets. Et on peut, on peut piner des ressources quand on est dans la fenêtre d'inventaire. Ok, très bien. Parfait. Bon, pour le moment, rien de, de très fou. Euh, du coup, on peut déployer nos spiders de manière bien plus lointaine. Spider ici, par exemple. Oh, coucou, vous ah, Ils ont l'air euh, gentils, eux. Alors, il nous en fallait combien déjà 8. Ok, il faut un tour pour qu'elles soient fabriquées. D'accord, là elles ont été fabriquées. Elles traîne du coup. Et elle se planque sous des. sous des petits. Euh, des, faux, euh, des fausses plantes en fait. Excellent. Euh, comment on va faire pour s'occuper de lui là hein faudrait que je fasse revenir mon Android qui était tout loin. Voilà, toi là. Euh, la map. Il peut sprinter jusqu'ici avec ce qu'il nous reste de de trucs. Très bien. Et donc on a lui qui est là. Il n'a plus de points. On n'a plus personne qui a des points. Il va se rapprocher de nous lui parce qu'il nous en veut hein. Mais il va commencer à être temps de lui péter les, les fesses Voilà Il lui a quand même fait un petit peu mal Voilà ça c'est fait euh, Par contre du coup on est marqué Défectif bien évidemment On peut aller chercher Un truc ici voilà Voilà tu es des copains androïdes, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et toi, tu es marqué d'effectif également. Ici, il y a une licensing agency. On va voir si on pourra aller payer notre. Euh, notre... Il y en a une juste en dessous de nous normalement. Mais j'ai pas l'impression que je peux faire grand chose. Si, je peux, il faut juste que j'arrive à cliquer dessus, voilà. C'est 20 pour euh, enlever le market d'effectifs Ah bah ouais, on va pas se faire chier, on a 39 000 <laughs> On peut massacrer la cité entière, il a aucun problème. Alors ça c'est quoi ADTPT Panther, waouh. Alors ça si on pouvait le, le choper... Une division une, une, euh, donc lui, il est dans une division de la corporation qui essaye d'étendre la vie des humains à travers diverses techniques cryogéniques parfait combat power 264 848 de santé on n'est pas sur euh, on n'est pas sur la même sauce là déjà hein. Ah lui il a terminé c'est pour ça qu'on a' fait un maximum de blé très bien c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes C'est d'aller choper une arme ici. Alors, la sentinelle est juste en train de regarder ce qui se passe autour. Donc, c'est un mec des Free Dogs. On peut lui demander son arme. Voilà. Un moment très surréel pour eux si vous faites ça. Donc, c'est un check d'intimidation. On a 22% de chance. Ok. Et là, c'est un check d'agilité. Et vu qu'on a 0, de toute façon, c'est 22% de chance. Ok. Donc, clairement, c'est pas l'unité pour faire ça. Euh, du coup, passons le tour. Il y a un truc là. Budget security Ce sont des agents freelance. Qui travaillent pour recruter les classes les plus basses et moyennes. Ils offrent euh, pas de protection. Ok, leurs leur vêtements ne protègent pas, mais ils ont un capuche qui peut complètement cacher leur face. Ok, ça serait certainement utile pour vous à un moment ou à un autre. Si on y va, comment ça se passe 49% de chance de leur demander vêtement. Failure totale. Moins 84 pour, de vie pour notre, notre unité. Qui du coup s'est fait défoncer complètement. Ok, parfait. Et donc là, on a euh, une budget de security agency euh, qui est en mode. Pas content, pas content. Est-ce que je peux savoir combien j'en ai de ces trucs J'en ai 6 sur 12, ok très bien, je peux en mettre un peu plus du coup, il m'en faut 8. Hop là, voilà. You need Bouyco Builder Alors, maintenant que vous avez un revenu euh, automatique hein, euh, de slurry élémental, donc c'est du Elemental Slurry, c'est ce truc-là, euh, il est temps de designer votre propre version des micro-builders. Ok, donc okay, il va falloir qu'on fasse une investigation. Non, même pas. Ah, on peut faire un, un wind générateur plus large pour fabriquer plus d'énergie. J'imagine que ça, pour le coup, on le construit. D'accord, on peut le construire un peu là où on veut, quoi. Il faut 3500 microbuilders, on en a zéro. Ah oui, ok. Et si je le mets là. Ça fait des trucs. On va remplacer la tour. Non, on a, ça nous a donné le job. On est en train de, de, de mettre ça dans notre tour. On va voir si ça va le détruire notre tour. Bon, éventuellement, ce serait un peu dommage. Du coup, est-ce qu'on a une investigation à faire Où est le signe noir Ah oui, c'est vrai, je l'ai envoyé euh, là-bas. Ok. Pas de soucis. Euh, Est-ce qu'on peut investigate Non. Alors, on peut récupérer un Android, un Nickelbot, encore un technicien, un combat unit là-bas. Ça pourrait être pas mal d'avoir un petit combat unit. Voilà. Combat unit de type Tunstead Carbide. Parfait. Alors, on a trouvé des handbooks. Job and Structure. Vos options de construction sont organisées par travaux. Chaque travaux peut être installé dans une structure particulière. OK. Timing de construction. Les structures sont construites en trois phases. Général construction, job installation, basement de construction. OK. Subnet. Euh, sont des pièces localisées de votre réseau qui permettent d'avoir plus de sécurité et d'organisation. Les effets négatifs, pardon, euh, des ennemis comme euh, stun, le, le, être stun, être je ne sais pas, assommé. Enfin, c'est bizarre pour un un robot désactivé peut-être plutôt. Euh, donc si c'est localisé sur un subnet, ça n'impactera pas le euh, réseau global. Et il y a quelques positifs boosters que on peut construire. Ok et on a un réseau prédictif alors que vous construisez d'autres structures vous saurez si ça va, vous pourrez voir si ça sera lié à un réseau existant ou si ça en créera un nouveau ok alors les seuls prérequis pour joindre un réseau existant c'est que ça doit être construit à portée d'un réseau existant, ok très bien et que euh, la connexion au building ne peut pas couper une route, ah ok d'accord très bien je vois intéressant et du coup en fait c'est une, une recherche le fait de faire le micro builder donc il nous faut un tour pour le faire alors notre android de combat qu'est ce qu'il peut faire de beau il peut essayer d'aller euh, piquer de nouveau euh, des trucs non cette fois c'est vraiment une embuscade. Ok. Donc là, euh, direct, on a 100% de chance. Hein. Donc c'est une difficulté classe 6 et on a 7 d'intimidation avec notre, euh, nos 71 de. Euh, avec notre Android là. File-moi tes fringues à ah, la Terminator là. On lui fait suffisamment peur pour que euh, il s'exécute, hein. mais un backup est prévenu. Donc on a récupéré euh, cette, ce truc-là. Et par contre, il y a deux unités de type Exotic Holding. Il se prépare à nous attaquer. Lui... Ouh, ils sont vénères. Ils vont détruire notre unité de combat sérieusement. Ah oui, ils sont 19. Waouh. Euh, et bien notre petite nouvelle unité va, va peut-être décéder malheureusement. Alors, c'est une recherche du coup. On s'est considéré comme une recherche. Ok. Euh, on peut essayer de s'enfuir là-bas. On va prendre un coup, mais on va tenter. Hop. On se replie, on a perdu 122 de santé quand même, ça pique les fesses. Mais vu que leur attaque d'opportunité est plus faible, c'était mieux que rester sur place et mourir. Hein. Bien évidemment. Donc notre androïde de combat pourrait aussi aller faire des trucs. Par contre on a. Euh, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de fine avec lui. Donc on va retourner dans notre petite zone principale. Et il faudrait qu'on soigne, cela dit. Hein. Euh, et donc il y a lui qui est toujours euh, à l'autre bout du monde là. Lui se rapproche. Hop, voilà, il y a donc jusque-là un petit sprint, t'es bientôt arrivé. Nos petites spiders travaillent, travaillent, c'est parti. Ouh, ils ont appelé des renforts. Qu'est-ce qui se passe Ils sont mécontents. Alors, euh, ici, il y a des trucs qui ont un problème. Ah oui, on n'a pas assez de stockage. J'ai vu qu'on était à 22-22 là, donc on va perdre des ressources. Bah tant pis, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc, on a l'électricité et par réseau. Pour voir comment un réseau euh, a besoin d'électricité, on peut sélectionner n'importe quel bâtiment dans le réseau. Très bien. Par exemple, si je sélectionne toi, euh, je vois que tu consommes 43. Mais t'es pas vraiment un bâtiment, du coup. Haydn. Ok. Oula, c'est quoi ça Ah oui, on a notre réseau ici. Bon, on a 12 000 d'énergie, ça va. On en consomme 944, ça devrait aller. Et on a terminé les micro-builders. Alors, du coup, c'est un truc à construire. Refining Microbuilder fab Une petite usine de fabrication pour les microbuilders. Et ben parfait. Donc, du coup, on va en vouloir une ici, une là et une là. Et puis, on va, on va utiliser ce sympathique petit parc là. Alors, il nous en faut que 6, donc on va en faire que 6 pour le moment. Donc, eux, ils ont appelé des renforts, mais notre mec est parti se planquer. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Ici... Euh, on pourrait éventuellement euh, aller buter un mec à la porte pour essayer de lui piquer son arme. Ouais, 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 ouais. On pourrait aller se soigner. Je pense que c'est plus pertinent. En plus, on se cache comme ça. Et donc ici, on avait lui. Alors lui, il a, il a énervé personne. Euh, tout va bien. Il est, il est pépouze. Personne ne lui en veut. C'est quoi ça Ah, on peut euh, faire une embuscade sur un capitaine de l'Expéditionnari. Ça me paraît euh, pas pertinent. Franchement, pas pertinent. Et c'est quoi ces trucs rouges Ah non, c'est mes, mes, spiders qui sont pas contentes parce qu'elles ont pas de stockage. Ok. Normalement, on a, on en a fait suffisamment. Hein. Enfin, on a, on a consommé en fabriquant les micro builders, mais on va quand même en perdre. Hein. Tant pis, on va en perdre. Hein. Donc nous, on va couvrir la zone en se mettant en cover ici. C'est parti. Où ça, ça bastonne là la vache Qui c'est qui, qui, qui se bat comme ça là Il y a l'infanterie qui s'est qui s'énerve. Hein Syndicat fonceurs. Est-ce qu'on peut voir les trucs de combat euh, Non, je veux pas je veux pas attaquer. Désélectionne-moi mon unité, voilà, très bien. Ils sont en train de se battre avec eux là J'ai pas l'impression, il, il y a des cercles, mais. Ah, lui il veut se déplacer par là, visiblement. Ok, lui c'est lui le, le mec principal, lui il cherche la vengeance. Mais il y a des gens qui ciblent cette unité, et c'est qui Lui, il est là pour aider ses potes. Ok. Bon. Euh, voilà. Toi, tu es revenu un peu près plus à la normale. Est-ce que tu pourras aller te soigner un coup Vas-y. Guéris-toi. Le signe noir est de retour. Tu vas te soigner un peu également. Et là, il y a quoi Une petite installation militaire. Et euh, salut la team 119 minutes. Merci beaucoup pour le raid. Salut Broudaf. Euh, J'espère que le live s'est bien passé. Il faut encore... Un tour pour terminer notre truc, ok très bien. Et salut ES Okami Freya, bienvenue sur le chat, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Euh, et bah écoute, moi ça va. Alors je suis sur un jeu un peu tricky. Et merci Kenton pour le 26e mois d'abonnement. Bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'imagine que tu étais chez 119 minutes du coup. Vous étiez sur quoi euh... C'est Purim World Ah, je sais jamais le jeu que tu fais le dimanche, Brunav, j'oublie tout le temps son nom. Bah, nous, on est sur Heart euh... of the Machine, le nouveau jeu des mecs de... qui font High Wars, Et euh... on est sur un truc au moins, aussi, euh... au moins aussi tendu, on va dire. Allez, toi, tu vas te mettre ici. Tu vas garder notre, notre tour. Si, si, c'est Rimworld. Ok, bah tu vois, bah, comme quoi. Ma mémoire est, est encore pire que ce que je pensais. Alors, toi. Tu pourrais aller éventuellement nous chercher de la thune, vas-y. On n'a pas de limite à la thune, hein. Non. En ce moment, tes trois lives sont sur le même jeu. Ok, très bien. <laughs> Parfait. Alors le signe noir, bah tu vas stand-by mon cher. Et est-ce qu'on se fait plus de micro-builder Je pense qu'on va s'en rajouter deux ici, là. Hop. Alors ici c'est la baston. On a déclenché la, la, la grosse purée, là. Où est-ce qu'ils détruisent mes, mes spiders ah, ils détruisent peut-être mes spiders. Je ne suis pas convaincu. Ici, elle a l'air d'être euh, toujours là, elle est cachée. Aiden, donc non, non, ils ne l'attaquent pas. Ils se, ils, se battent, ils se battent entre eux. L'infanterie n'a pas l'air d'être involve. Euh, euh, ah, là, il y a une attaque ennemie, par contre. Ils veulent attaquer ma micro-builder farm. Ok, est-ce qu'on peut voir un peu. Ah, c'est Exotic Holding, vs Christman Investment, ils se battent en fait. Exotic Holding, Exotic Holding. Ok, donc là, ils sont en train de se battre contre Christman inv Investment. Lui est mort. Et donc maintenant, ils veulent euh, me taper dessus. Alors. Electricity génération Maintenant que vous avez une euh, source de microbuilder, vous pouvez commencer à construire des structures plus grandes qui auront différents types de jobs. Pour l'instant, vous avez surtout besoin d'électricité. Ok, on va installer un Large Power générateur Waouh, c'est quoi ça Ablator, Tark Industries. Et alors eux, pour le coup, ils sont pas du tout cachés. Et donc, il euh, y a des gens qui les attaquent direct. Human et Approaching. On dirait qu'ils savent que vous êtes en vie. Euh, on dirait qu'il y a deux groupes distincts pour le moment. L'un est hostile et l'autre est curieux. Puisque votre tour n'est pas vraiment subtil, vous devez faire quelque chose pour faire en sorte que les humains restent loin. Alors... Nous ne sommes plus des fugitifs, on va devoir s'occuper d'eux. Votre rôle à l'intérieur de la cité euh, sera toujours dans les ombres, à moins que vous choisissiez par vous-même de publier un genre de manifeste de vos intentions. En attendant, les humains sa savent que quelque chose de bizarre et de nouveau est en train de se passer. Maintenant, on va devoir interagir avec les humains, mais on n'est quand même pas obligé de leur dire qui on est. Très bien. Alors, on a un dialogue available. Euh, missing equipment. Ok, donc là, on peut mettre. Ah, on peut mettre la security jacket sur eux. Excellent. Habilité 9. Ah, du coup, non. On peut te mettre la réparation également, et on n'a pas d'autres compétences pour le moment. Ok, bon, les humains décident de me pourrir la vie. Donc ça, c'est des euh, SDF. Donc ils sont juste curieux de voir ce qui se passe autour d'eux. Très bien. On a trouvé des trucs. Donc l'électricité, classique on connaît. Vous serez toujours un peu perdu. Euh, de manière spatiale, c'est-à-dire, la cité est un endroit un peu désorientant. Vous serez confortable dans les lieux familiers, euh, vos buildings serviront de waypoint, ok très bien Alors Votre tour est la chose la plus excitante qui est arrivée dans la cité depuis des décennies euh, Le management de Vorcyber est en train de s'aliver à la perspective de faire quelque chose, de donc, alors, tirer de la thune en gros alors, plutôt que détruire votre tour, ils veulent voler euh, tout ce qu'ils peuvent. Parfait. Et votre building euh, fait peur. Votre version particulière des micro-builders crée des structures qui ressemblent un peu à une peste alienne à propos à, là, autour des buildings humains. Tout ce qui est large et métallique sera détruit par une grande variété de groupes d'humains, mais ne désespérez pas. Pour la plupart, ils vont préférer garder leur distance. Très bien, donc il faut qu'on pète des culs, en gros. Eh bien écoutez, pétons des culs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme construction Donc ça, on peut plus en faire. On peut en avoir que 8 maximum, parfait. On va pouvoir ah oui <laughs> c'est clairement moins discret si on construit ça forcément euh, on peut faire du stockage pareil c'est pas d'une discrétion exemplaire mais pourquoi pas euh, on peut étendre notre euh, notre truc très bien on peut faire un scanner J'aime assez l'idée de mettre un scanner là, par exemple. Pour couvrir un peu notre... Euh, voir les méchants. Par contre, ça coûte. Hein. Et extra tool, c'est pour détruire euh, ou construire une tour. Notre tour de base hein, qui est ici. Alors, bon, du coup, nos androïdes de combat. Là, il y en a un qui soigne. Lui, Glande. Lui il est prêt au combat. Parfait. Euh, il va falloir que tu viennes ici. Take cover. Putain, ils sont énervés. Le grenadier là il me plaît pas trop. On va l'attaquer. Est-ce qu'avec le signe on peut pas. Remonter un peu notre euh, ouais, on peut faire ça. Hop, on tue un, un humain de sang-froid pour euh, le simple plaisir euh, de remonter notre santé mentale. Et eh oui, tout à fait. Ils sont un peu un petit peu énervés. Hein. Ils sont faibles contre les Tubstein, euh, donc euh, on aura tout intérêt à les, à les défoncer. Avec notre androïde de combat dès qu'il sera revenu, pareil à eux là. Ils veulent venir nous attaquer. On est un peu cerné là, je vois, avec seulement 4 droïdes, ça va être compliqué. Hein. Alors, eux, ils ne bossent pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de storage. Mais, euh, vu tout ce qu'on a consommé... Voilà, on est à 7400 sur 22, donc c'est bon. Et eux, ils sont à 100%. Très bien. Alors, une ressource est en train d'arriver proche de zéro. Ouais, bah logique, on consomme. Donc point, ça, pas de problème. Et il y a 4 ennemis euh, qui vont nous attaquer. Ça va péter du micro Builder Farm et on va se prendre une attaque sur notre petit euh, mec ici. De la part de celui-là. Bah, Allons-y. Putain, la vache, ils sont. Ils sont vénères, hein. Alors, est-ce que notre android de combat est de retour On dirait que oui, il est où Là. Alors, il y a des notifications qu'on doit lire. Ok. Euh, L'idée d'envoyer des androïdes hein, pour euh, réparer toutes les petites choses qui sont cassées euh, vous donne envie de faire mal à des gens. Donc euh, ne le faisons pas. Alors, les spider drones que vous utilisez pour récupérer des ressources peuvent aussi être utilisés pour réparer. Ok, on peut installer des, des repères spider, très bien. Alors, on va... S... Putain, la vache, c'est la guerre, hein. Euh, tac, tac, tac. Lui, on va lui faire des doubles damages. Donc, on va venir jusqu'ici. Oui, on s'en débarrasse, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont faibles Par exemple, Il semble qu'il y en avait un autre, voilà, celui-là. Double damage, voilà, ça c'est fait. C'est la baston, c'est la grosse baston des familles. Euh, le signe, t'es où T'es pas là Est-ce que t'es parti le signe Le signe Je t'ai envoyé euh, je ne sais où. Tu es où Tu es tout là-bas. Ah oui, je t'avais envoyé tuer un, un humain, c'est vrai. Euh, Essaye de papoter avec ces gens. Alors, le SDF. Euh explique que il est curieux de savoir ce qui se passe. Votre tour leur a fait peur, mais c'est également un potentiel nouveau départ. Alors, on discute avec un SDF de la faction SDF. Alors, euh, dégager, mais on les blesse pas. Ok, donc euh, le problème c'est que les les humains n'ont aucun autre endroit où aller. Ou alors on résout ça avec des flammes. On n'est pas ici pour babéciter des humains stupides, même s'ils ont l'air pathétiques. Non, on va, on va se détendre. Euh, la, la solution la plus efficace serait d'entesser ces personnes dans un endroit plus petit, comme des appartements. L'ironie de la chose ne vous échappe pas. Et si vous voulez l'espace, euh, mais vous voulez l'espace, il pourrait y avoir des bénéfices secondaires. Ok, donc il faut qu'on fasse en sorte... Alors, les tentes euh, sont moches à voir dans votre passage. En plus, les humains n'aiment pas vivre à l'intérieur. On doit trouver des appartements libres. Alors... Quelques appartements, plus d'appartements. Allez, on va faire plus d'appartements pour le plaisir. Mort micro-builder. Bon, alors c'est pas lui qui va se battre, ça c'est sûr. Ok, il y en a 3 qui nous attaquent et il y en a 5 qui arrivent en renfort. Ok, clairement, mes androïdes de combat, euh, faudrait pas que je les envoie faire des missions à la con. Hein. Là, on va lui faire 40% et on peut le finir avec nos 3 actions. Voilà. Euh, lui par contre, il va se faire péter les fesses. Ce qui m'embête. Un petit tech cover serait appréciable. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour ça Non, il n'a plus de point d'action, le signe noir non plus. Zout, zout, zout. Donc, il va falloir qu'on construise. Alors, service. On peut construire des... appartements pour les humains. Et eh ben voilà, une bonne idée. Faisons-nous des potes. Ah on n'a plus de mental énergie, il nous faut de la mental énergie pour construire. Merde. Attendez pas, je pensais pas. Ah zut. Ah ouais, il nous faut de la mental énergie pour vraiment tout quoi. C'est compliqué ça. Genre... Euh, eux là. Ok, ils sont euh, ils sont stun. Ils ont pris une grenade donc ils sont stun du coup. Pas cool. Ils ne font rien donc. Ok. Et recherche inspiration c'est quoi? Inspiration dans différents domaines de recherche. Euh, c'est la manière dont vous améliorez les choses, les upgrades pour vos unités. Ok, pourquoi pas. Bizarre nos ressources qui disparaissent. J'aimerais bien voir. Euh, ouais, voilà, ça, ça, ça. Ça aussi, pourquoi pas. Invention. Upgrade. Pour l'instant, on n'a pas d'autre idée. Alors, du coup, là, on peut lui dire Toi, tu deviens une repère spider. Mais. Euh, et son stun, c'est enfants c'est débile. Tout est tout le monde est stun en fait. Parfait. C'est nickel. Ok. Ils nous défoncent des trucs. Ils ont tué notre unité de combat. Pas cool. Il faut qu'on aille en récupérer une avec toi du coup si possible. Alors, là on a un technicien. Bien, mais pas ouf. Là, on a un nickel bot. C'est bien, mais pas suffisant. Là, on a une combat unit. Parfait. Une petite combat unit des familles. Et alors, où sont nos ennemis Là-bas. Ici. Vas-y, viens là. Take cover. Recharge un coup. Pète défion. Oh. Putain, il reste un PV quoi. Bon, ça en fait un de moins déjà. On endommage un peu. Il tape sur nos micro-builder farm. Alors ça c'est un grenadier, mais il est trop loin pour le moment. Euh, tac tac tac, faut qu'on récupère notre dernier androïde là, je l'avais envoyé faire de la thune mais euh, je ne voyais pas trop quoi faire d'autre, mais clairement c'est pas la priorité hein. On a plus d'énergie mentale pour ce tour, est-ce que toi il te reste des trucs Non Ok, on passe le tour, il y a des renforts qui arrivent Alors, tu vas balancer une méga grenade dans le tas, là. Quatre tours de stun. voilà la vache, ça pique. Le monde est stun. Tout à fait. Le monde est stun. Je suis bien d'accord. C'est extrêmement désagréable. Alors, du coup, est-ce qu'il y en a qui sont faibles face à nos armes Alors, lui qui est tout la balle, il est faible. Voilà. Double damage, voilà, on l'allume. Moins, du coup, toi, tu peux potentiellement essayer de tuer celui-là. Euh, commencer à entamer celui-ci également. Là, on tire. Il nous reste quelques quelques trucs mentaux. Il faut qu'on l'utilise parce que là, c'est un peu la merde. Euh, on va faire du coup des appartements. On va en mettre là et un là. Voilà. Et un là. Il y a un type ici qui nous emmerde, mais bon. Alors est-ce qu'on a des petites spiders qu'on peut passer en réparation à droite à gauche Elles sont stun également partout. Pas cool. Ça c'est du scanner. Les scanners il peut se faire quoi Scanner. Jusqu'ici c'est pas illogique. Euh, toi, il te reste 3 tours encore pour, euh, pour revenir. Et du coup là, bah, on a pu... on peut plus rien faire vu qu'on a tout consommé. C'est parti. Aïe Ça fait mal. Lui, il s'est placé sur notre futur building. Mais normalement, ces bâtiments-là devraient moins attirer l'attention, puisque c'est des bâtiments humains. De type humain. Ils sont costauds hein. là on fait du 29 Alors, on fait du 15 qu'on va plutôt utiliser les trois points d'action là toi engage ici recharge un coup et finis le voilà très bien bon ça commence tranquillement à se calmer il nous faudra quelques spiders de plus en vrai il nous faudra des, des, des micro builders de plus mais on a 8 sur 8, dont deux broken. On va en faire une là, du coup. Eh, parce qu'en fait, lui, il est euh, il est carrément détruit, quoi. Mais il reste quand même dans notre décompte. Intéressant. Là il y a une petite patrouille qui se balade. Euh, on est marqué d'effectifs ici, on va voir si, euh, si, ça les, si ça les énerve. Même eux, ils sont stun. Putain la vache quoi. Pourquoi on est tout oh, massivement stun là c'est ouf ça, parce que ça diminue. Deux tours restants, ouais. Là, il y a un mec qui, qui se balade. On va les entamer, on va les finir avec lui. Ok, il reste un agresseur, tout là-bas. Et visiblement, il est plutôt dans l'optique de se replier. Alors toi, il est temps de te mettre en mode réparation parce qu'on a besoin là. Et si on pouvait faire une petite euh, spider ici également qui va réparer, ce serait pas mal. Euh, L'énergie. Ah oui, on a, il nous reste plus grand chose là. Il nous faut 3500 micro builder et vu que nos micro-builders, bah, ils font un peu dans le mal. Ils vont un peu, un peu m'enlever faux. C'est quoi ces trucs-là Des bottes de foin, d'accord, très bien. Excellent, excellent, excellent. Ça, c'est quoi Une petite spider. Euh, celle-là, elle a survécu. Elle a été discrètement planquée. De même que celle-là, du coup. Bon, on a bientôt fini de se débarrasser des connards. Donc il nous reste le signe noir. Tu peux faire des trucs. Euh, là du coup, on est à 100% de vie. Par contre, il euh, y a plein de gens qui nous détestent. On pourrait aller chercher... On pourrait aller se faire en sorte qu'il y ait encore plus de gens qui nous détestent. Les gardes ont l'air fatigués, il y en a au moins un qui ne tient pas son fusil à pompe de manière correcte. Ça pourrait être pas mal un petit fusil à pompe. Hein. Allez, on va tenter. Hop là, on récupère le shotgun. Et il y a une Sec Force Patrol de type confused. Ok, ça nous débloque une recherche en fait. Le TS-11 Light Shotgun. La moitié de la puissance de sens du TS-29, logique. Mais avec plus de distance de tir euh, et la possibilité d'être euh, porté par des petits androïdes. Ah, c'est cool. Et du coup, on a aussi le TS-29, d'accord. Donc on a récupéré le TS-29 et on a débloqué la recherche sur le TS-11. Euh, donc, toi par contre, t'es dans le mal, tu es où? Euh, actif combat défiant. Euh, merde, on ferme ça, on ferme ça, non, faut que je sélectionne, ok. T'es où? T'es là. Donc, lui il est confuse. Il faut donc qu'on se barre d'ici. Est-ce euh, qu'il y a des endroits intéressants Il faudrait qu'on retourne. C'était tout là-bas. À la licensing agency. Bon, c'est s'est pris un petit tir d'opportunité du mec qui était confuse. Mais euh, il est confuse. Il réfléchit à quoi faire après. Il s'est fait piquer son shotgun, le pauvre chouchou. Alors, ici, c'est pareil, euh, c'est un peu le bordel, mais on pourrait aller, du coup. Non, on a pu, on peut plus rien faire, merde. On n'a plus de points. On n'a plus de points. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, il reste lui, j'avais oublié lui. Merci de décéder. Et après, on visite et on paye notre petite. Euh... On paye notre petite. Euh... Notre petite amende. Voilà. Euh, par contre, lui, 2400 de dommages, là. Qu'est-ce qui lui fait mal comme ça, là C'est lui Vache Excusez-moi. Euh, non, non, tu vas. On termine notre recherche. Ah ouais, puis si on se déplace, rien que l'attaque d'opportunité va nous tuer, quoi. Du coup, on l'élimine. Voilà. C'est la logique. C'est la logique. Euh... Par contre, du coup, je pense que le prochain tour, ça risque de partir en couille. Est-ce qu'on peut mettre de l'équipement Alors, du coup, euh, l'équipement. L'équipement. Missing équipement. Qu'est-ce qu'on peut te mettre comme équipement Ah, on peut te changer ton arme principale, d'accord. Euh, bah, tu vas prendre ça. J'ai envie de te dire 90 à 140 carrément. Et toi, tu peux prendre le TS-11, 24 à 28. Non, 55 à 80. C'est pas dégueu. Par contre, le, lui, il peut toujours rien prendre. Le, le petit fusil à pompe, c'était pour, euh, pour le nickel bot du coup. Très très bien. Ça va augmenter un petit peu notre, euh, notre type d'attaque. Je pensais que ça changerait le type de notre attaque également, mais non du coup. C'est vraiment... Dans euh... le stun là, il s'en va quand Un tour ici, deux tours ici. Toi tu répares, mais je sais pas ce que tu répares, parce que ici... Euh... Est-ce que je peux demander à la réparer là, Toi, là, t'es censé réparer, non Pourquoi tu répares pas Répare Vilain. Euh, ils sont où, nos autres trucs détruits Là. Il y en a un qui a été détruit, ici. On va en construire un là. Et le dernier, je pense que c'est dans le coin, non Là. Ok, on va se faire quelques petites araignées qui réparent et qui ne sont pas stun. Ah oui, en fait, à chaque fois que le réseau est endommagé, ça stun le réseau. Waouh, la vache, c'est hyper... Euh, c'est hyper vénère. Hein. Purée. Bon, le signe noir... Qu'est-ce que tu peux faire de beau Piquer une arme Non. Euh... Et bon, bof, pas très utile. Toi, t'es de retour. Reviens donc par là. Voilà. Alors. Un dialogue. Et ça, c'est quoi, ça AGI rechercheur. Ok. Toi, tu passes en réparation. Ici, j'en avais pas construit une. Toi. Toi, tu passes en réparation. Et du coup, est-ce que celle-là, elle répare Has been destroyed. Alors, vous pouvez la scrap hein, ou vous pouvez construire des araignées de réparation autour, ce qui est le cas. Ah, mais elle n'est pas encore terminée en fait, pardon. Job installation turn remaining, ok. En fait, c'est beaucoup plus long à construire, prolong parce que, euh, on est stun un peu partout. D'accord, 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 je vois. Euh, on est dans la dèche d'électricité. Ah merde assez con, ça. Euh, le signe va papoter avec ses sympathiques personnages. Alors, le scientifique laisse échapper son excitation, il en est presque incohérent. Alors, ils vous ont d'abord observé pendant le couvre-feu de manière évidente, et ils euh, sont devenus de plus en plus certains de ce que vous êtes depuis. Alors... Est-ce que c'est un genre de warning, de menace euh, Ah oui, pardon, il, euh, il est sur le point d'avoir une mise à jour de sécurité. Il n'y aura plus d'Android Free comme vous. Ah d'accord. C'est une, une nouvelle affreuse. Des officiers de sécurité stupides qui font leur job stupide. Euh, si vous ne pouvez plus voler d'Android de votre euh, par vous-même, vous allez devoir commencer à en fabriquer. Euh, ça va être une grosse, une, un gros travail, mais les scientifiques vous ont amené tous les schémas. Alors, écoutez, ils ont vraiment très très excités à votre propos. En gros, euh, ils n'arrêtent pas de parler. Excellent, un nouveau projet. Alors. Si jamais vous êtes à court d'androïdes, c'est le moment d'en voler plus. Les humains sont en train de travailler sur un patch qui vont bientôt vous empêcher de les récupérer aussi facilement. Et du coup. Des androïdes suspicieux impliquent votre tour. Alors, quand vos androïdes se baladent, ils sont juste aussi anonymes que tous les autres. Il y a beaucoup d'androïdes dans la cité et la plupart d'entre eux agissent normalement. Mais un pattern a été noté. Depuis l'apparition de votre tour, de plus en plus d'androïdes se comportent de manière bizarre. Alors du coup, ça veut dire que si vous commencez un combat avec des forces militaires ou de sécurité que vous ne vous en débarrassez pas intégralement, ils vont commencer à viser vos différents buildings. D'accord euh, pour, une raison, pour une raison ou une autre, votre tour elle-même a l'air d'être hors limite pour le moment, euh, mais n'importe quel euh, building euh, qui fait peur autour euh, va se faire attaquer. Et bien bah, très très bien. Donc on a quatre tours avant ça, donc c'est pas trop un problème. Et là ils sont pas contents parce que il euh, n'y a pas suffisamment de ressources, donc là c'est normalement elle a commencé à bosser, non elle n'a pas commencé à bosser pourquoi elle n'a pas commencé à bosser parce que le, le, le réseau est toujours stun là. Hmm. bon dans un tour ça devrait se réactiver normalement si je comprends à peu près le, le concept Ça m'a l'air un petit peu compliqué le coup du stun là, honnêtement. Euh, du coup, on est en shortage d'électricité, bien évidemment, et on ne peut pas faire plus, vu qu'on a déjà construit notre large wind generator ici. Et il nous faut beaucoup plus de micro builder. Le coup de l'attaque là, euh, ça fout la merde, hein, honnêtement. Du storage, est-ce qu'on peut faire du storage Non, il faut 1800 et de l'électricité. Ah waouh, on peut faire plein de trucs. Ah, on peut faire. Euh des repères spider directement. Ok, on va en faire une là. Ah ouais, mais ça me consomme de l'électricité. J'imagine... Euh... Tata, ta, ta, ouais, ça consomme 680 d'électricité. Oui donc, euh, non. En fait, non. Ah. Non. Je... Pardon. Je ne voulais pas faire ça. Hop, voilà, merci. On peut faire les extendeurs, les scanners, les repars spider, gasering overdriver, ok un boost, raffinerie optimizer, bon, c'est marrant on peut les, les placer, cela on les place dans des faux pains, cela on les fasse dans les faux chênes. <laughs> j'aime beaucoup, <laughs> pareil, cela on les met dans des faux pins, c'est rigolo. Du coup les maisons euh, bah, sont toujours stun et des extra tools c'est ça, ok très bien. Alors euh, toi t'es défectif ou pas Non, t'es plus défectif toi. Qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant Non, on n'attaque pas ça. On peut aller tuer un mec ici, pourquoi pas? Il va falloir qu'on se balade un peu, je pense. Ah, là, même, on est... Ok. Bon, ici, visiblement, les forces de sécurité sont un peu vénères. On peut même plus se déplacer dans les zones de sécurité 1. Quoi Est-ce que tu peux, toi Toi, tu peux. Ok. Lui, il peut se déplacer dans les zones de sécurité 1. Ok. Ici, on a un capitaine... Et là-bas, on a une l licensing agency. Euh, toi, il y a des gens qui t'aiment pas, mais à part ça. Euh... Alors, par contre, normalement, est-ce que si je fais ça, ça me débarrasse de mes trucs Est-ce que je peux visiter là Non, j'ai pas, de... pas besoin de ça, du coup, logique. Je peux aller. Euh, lui demander son arme. Peut-être que le, le petit le petit truc là va va m'aider. Et du coup, il est pas content. Donc, on va s'en débarrasser. Voilà. Alors, missing équipement. Ok, on peut leur mettre du coup un petit revolver en secondaire. Deux revolvers, on peut lui mettre à lui. Bah, écoutez, Go. Et lui, un revolver en secondaire, et on va pouvoir mettre un petit revolver pour notre petit technicien. Excellent. Et on n'est même pas marqué à ce défectif. Par contre, cette unité-là a <laughs> été testée par toute la planète, quoi. Et on a. Euh... Ok, on a une arme, du coup, qui est pas très efficace pour le combat, mais qui va augmenter les stats de nos personnages. On est en train de rechercher du coup. Smart, but not deadly. Fort bien, fort bien, fort bien. Donc ici, ça va peut-être finir par être des non, non non un moment. Encore un tour. Bon, on va passer le tour parce que je suis curieux de voir si ça se débloque. Ça y est, ça se, ça se remet à travailler. Ok, très bien. Tout le monde se réactive. Donc, ici, il reste 300 de job et il nous faut 6 tours pour. Euh... Ok, très bien, il nous faut 6 tours pour creuser. Ici, c'est toujours stun, mais là, ça y est, on commence à travailler. On commence à réparer, là. Enfin, elle, elle a terminé et du coup, elle répare. On est un petit peu dèche en énergie, mais ça va. elle va commencer à bosser, j'espère. Ah non, celle-là n'a pas assez d'énergie, 98%, bah ça va quand même. Euh, bon. De toute façon, on va arrêter l'épisode de Veodella, je pense. J'espère que ça vous a plu. Euh, on voit, le jeu est hyper dense. Il y a plein plein de choses à faire. Euh, et je pense que ça va être franchement très très rigolo. Alors, ça reste une démo, hein, je précise. Donc, le jeu complet sera potentiellement encore plus complet. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, c'est le moment dans le chat. Je bois un petit coup d'eau. Je vous demande de mettre des petits commentaires et des petits pouces. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.